Voilà, on voit l'eau. Et là, c'est déjà. On dit quoi les gars? Venez, 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 on va causer. Venez, on va causer. On dit que c'est gâté dans le milieu. Il y a les clash, clash. Il y a les parties, parties. Ça prend les positions. Ça insulte d'autres. En un mot, quoi, c'est gâté même. Donc, venez, on va causer. Moi, je vais dire ce que j'ai à dire. Serge Théa, on dit quoi? Parce que trop, c'est trop, quoi. Le mois de foutaise. Je suis dans ma gamme tranquille. Faut pas me provoquer, quoi. Voilà. Venez, 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 venez. Venez, je vais tiens. On dit quoi? Le premier court métrage, ça vous a plu? Je suis en train de travailler sur le deuxième avec la même équipe, seulement que une nouvelle actrice va entrer en jeu. Mata, bisous, bisous, sucré. Torres le bourgeois. Ouais, on dit il y a clash. Les gens se clash, clash. Je vais pas être long. Je vais être très bref. Vous voyez, je n'ai pas suivi toutes les vidéos. Mais quand je regarde là, je vais aller à la source. Le vieux père Moula, il a créé son business. Vous voyez, non? Primude, il a créé son business pour avoir son jeton. Ça veut dire, il y a son intérêt dedans. Vous comprenez? Arafat dit qu'il veut l'argent, c'est pas dit qu'il veut faire 1 million, il ne sait pas c'est combien. Mais il veut jeton. Il a son intérêt dedans. Debodo dit qu'il veut jeton. Il défend ses intérêts. Que Guevara dit, lui, il mérite d'être quand même nominé dans plusieurs catégories. Donc si ce n'est pas ça, lui se retire. Il défend son intérêt. Vous comprenez? Kif Nobit, les frérots, ils disent Moula crée sa chose, les gens veulent saboter. Ils savent que si Primude là, on organise, ils vont avoir un prix. Ils vont avoir un prix en fonction de leur talent parce qu'ils ont beaucoup bossé. Ce qui va enrichir leur carrière. Donc, ils défendent leurs intérêts. Vous comprenez? Petit MC One, il a fait une vidéo, il a insulté, 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 insulté. Je ne suis pas forcément pour ça. Mais quelque part, ils disent qu'ils ont manqué de respect à son producteur. Donc lui, il a djinzé, il insulte tout le monde. Il défend son intérêt. Donc, quand je vois tout ça là, tous les acteurs de ce clash là, eux tous, ils sont en train de défendre leur mangement. Vous comprenez? Ils sont en train de se battre pour leur avenir. Eux tous, hein, ce qu'ils disent là, écoutez-moi très bien. Hein? Écoutez-moi très bien ce qu'il dit, c'est très très important. Ils sont en train de défendre pour leur mangement, pour leur avenir. Tu vois, toi, la jeune fille, écoutez-moi, c'est sérieux. Je ne voulais pas parler dans l'histoire des classes, je veux me concentrer, réfléchir sur mes scènes. Mais il y a 13 heures, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est passé, donc il dit à parler. Toi, tu travailles quelque part au plateau, dans une entreprise. Ton patron t'a donné un travail à faire. Que tu devais rendre à 11h. Vous comprenez? Le monsieur, il sort. Tu fais quoi? La connexion Wi-Fi qu'il paye. Tu prends ça, tu regardes tous les clashs. Tu regardes clash de tout le monde. Le monsieur rentre à 16h30. Il te surprend en train de regarder clash vidéo. C'est pas ça, c'est sur YouTube clash d'un artiste que je vais taire le nom. Vous comprenez, non? D'un artiste qui est dans le clash aussi. Le monsieur, il se fâche. Si le chien, il t'a renvoyé. Vous voyez? Sur le champ, le monsieur t'a renvoyé. Donc moi, ici, là, mon manager m'appelle, il y a une fille qui veut te parler. Est-ce que je peux lui donner ton numéro direct? Vous comprenez? Je dis non, il faut gérer. Après, il dit, c'est important. OK, la fille m'appelle,
Elle m'explique le problème. Elle dit, mais ton patron t'a renvoyé moi. Elle question le petit frère du DG quoi. Elle me dit, non, le patron, c'est un de tes fans, il est fan de tes vidéos. Tu vois, non? Tout ce que tu publies, les fans. Donc, c'est que si toi, tu plaides là, quand même, ça peut aller. Elle dit, moi, ma chérie, moi, ma réputation, mon image, j'ai travaillé, saigné pour avoir ça. Donc, si moi, cause à ton patron, toi, ton travail, chaque fin du mois, tu payes, moi, je gagne quoi? Tu vois, moi, je gagne quoi? Ton patron, il est fan parce qu'il a du travail sous le soleil. Tu vois? Donc, mon manager dit, bon, tu donnes tant, tu donnes avance, Raoul va causer le boss. Si c'est Zo là, tu as donné le reste. Elle a donné avance. Par la grâce de Dieu là, on a causé le patron. Le patron a séance. Je profite de l'occasion pour vous dire encore merci. Voilà, le boss s'est loué. Merci, boss. Et puis, merci pour votre humilité et puis l'estime que vous avez pour ma modeste personne. Vous voyez. Donc, je profite de ça pour vous dire à tous mes fans. Vous savez, dans la vie là, c'est une question d'intérêt. C'est une question d'intérêt. S'il y a quelque chose, tu sais que tu n'as pas ton intérêt dedans là. Faut pas te mettre dedans. Vous comprenez? Faut pas te mettre dedans. Les commentaires ont fait là, ça nous suit. Tu peux comment? Et puis là, vous là, quand vous insultez les gens, vous partez pas sur le profil des gens pour regarder ce qui vous insultez. Hein? Vous pétez là, vous jazzez en même temps en commentaire. Tu peux insulter quelqu'un non? Hein? Hein? Dans 2 ans, 3 ans, tu as postulé, tu travailles. C'est le gars qui a insulté. Il ne sait pas que c'est toi. Toi, tu ne sais pas que c'est lui. Un jour, là, quelqu'un va venir cliquer j'aime sur la publication. Là, ça remonte. Quelqu'un va commenter, la publication remonte. Donc, il va regarder, c'est toi. Là, là, tu es renvoyé. Tous les actes que vous posez aujourd'hui, là, Facebook, là, les réseaux sociaux, là, utilisez ça à bon escient, quoi. Vous avez vos passes. Il y a déjà les agents de poche. Ils prennent tout pour y aller clash. Tous ceux qui font clash, là, eux, tous, ils ont voiture. Weber Mola a voiture, Arafat a voiture, Serge Benoît a voiture, eux tous ont maison. C'est-à-dire eux tous ils ont déjà réussi. Ils sont en train de se battre non, pour l'avenir de leurs enfants. Maintenant, sinon eux là, il y a certains problèmes, ils n'ont plus ça. Kadi est malade, il n'y a pas 20 000 pour aller à l'hôpital. Ils n'ont plus ce genre de problème là. Ils n'ont plus ça, ils ne pensent plus à Jean Loué, ils ne pensent plus à ça, ils pensent à autre chose. Comment acheter deuxième voiture, comment acheter troisième voiture, comment acheter quatrième terrain, ça c'est ils pensent. Tellement ils sont bien là, eux ils pensent maintenant à l'avenir de leurs enfants, les petits enfants même. Moi là, quoi, son affaire déjà assurée, avant son affaire assurée. Vous comprenez? Donc là, battez-vous pour vos intérêts. Moi, Raoul qui suis là, là, à part les vidéos, postent sur ma page. Si vous voyez, poste autre vidéo là, c'est qu'il y a mon argent dedans. À part les vidéos, il est fait. Si vous voyez ma tête dans autre vidéo, c'est que j'ai mon argent dedans. Parce que ce qu'il fait là, c'est par passion. Ce qui me semble pas, c'est pas passion pour vous. Mais quand il prend mon portable, vous m'appelez du Bénin, Togo. Quand il va le plus sur mon portable là, je suis trop content. Quand vous m'encouragez, on m'appelle de Hong Kong. Non, j'aime ce que tu fais. Je suis content. Mais à part ça là, à part ça là, tout ce que vous allez voir sur ma page là, j'ai mon argent dedans. J'ai mon argent dedans. Vous vous mettez, il y a des gens même là. À cause de clash, ils ne parlent pas avec leurs amis. Ton ami, même que quand tu es piqué, c'est lui qui te donne les 10 000, les 20 000. À cause de clash, ils ne parlent pas avec les camarades au quartier. Mais les gars, arrêtez ça. Ils sont en train de se tuer pour leurs intérêts. L'histoire de la fille là, ça m'a fait tellement mal que je dis non, j'ai fait tirer pour parler de ça. Comment tu peux perdre ton boulot à cause de clash? On te donne un travail, fais ton boulot. Tu finis maintenant là, tu peux aller écouter musique. Tu prends connexion que le monsieur il paye. Connaissant, il paye. Tu t'en as des clashs, tu ne fais pas son travail. Mais la jeunesse, vous avez quel souci? Vous avez quel intérêt dedans? Donc, je vais faire ce direct là pour mes fans. Hein? Si vous ennuyez là, vos passes là, il y a des plus clashs de quelqu'un. Venez sur ma page, regardez mes vidéos. Venez sur ma page, regardez-moi mes vidéos. Ben, moi là, je vais vous égayer. Voilà. Et puis, je profite de l'occasion encore pour dire, ben, je reçois beaucoup de messages. Il y a des personnes qui traversent vraiment des moments difficiles moralement. Vous comprenez, il y a des personnes là, ça ne va pas même. En Afrique, ici, au moins, on est fort moralement. Ceux de l'Europe, ça ne va pas. Ils reçoivent beaucoup de messages. Ils profitent pour dire, ceux qui sont vraiment cassés dans les têtes, souvent là, il n'y a personne pour t'écouter, tu vois. Souvent même là, il n'y a personne même. Mon frère Chabelin,
Non, prends tes points, voilà, c'est la famille. Tu vois, souvent, il n'y a personne pour t'écouter. Écrivez-moi. Hein? Je vous remonte. On va vous booster. J'ai une équipe là. On va vous booster. Vous allez devenir une nouvelle personne. Ceux qui traversent les moments difficiles, ceux qui vraiment ça va pas. Hein? Appelez le 07 23 24 90. Voilà. Appelez. Appelez ce numéro là. C'est le numéro de mon staff. 07 23 24 90. Appelez ce numéro. On va vraiment vous redonner le moral. On va vous aider quoi à traverser ces moments. Après, il reçoit beaucoup de messages. Voilà, je me dis qu'il y a des personnes aussi qui sont dans ce genre de situation. Donc, c'était mon message. Hmm? Pensez à vos intérêts. Je ne vais pas être long parce que alors je suis en train de bosser pour vous faire plaisir encore. C'était ma position. Moi, là, j'ai rien à dire dans les clashs. Eux tous, ils ont l'argent. C'est entre eux les millionnaires. Ils ont l'argent, ils sont en train de se tuer pour leur avenir. Moi, rien à dire. Voilà, mais soyez... Tout ce que vous allez poser là, pensez à vos intérêts quoi. Si vous n'avez pas d'intérêt dedans, ne faites pas. Si vous n'avez pas d'intérêt dedans là, allez vous asseoir votre maman, vous allez causer avec elle. Puis elle les vieilles là, elles sont devenues vieilles. Ah maman, quand j'étais jeune, parle-moi un peu de ça. Oui, ne gaspillez pas le temps. Passez le temps avec les hommes vraiment chers quoi. Causez à votre maman. C'est mieux que vous allez vous mettre dans les choses où tu n'as pas ton intérêt. Voilà, moi j'étais un gars, si quelqu'un parle de mon intérêt. Après mes vidéos, tu m'appelles, c'est l'argent. Oui, après, il y a les valeurs humaines avec ma famille, mes amis, mes proches. Voilà, mais ça. Côté professionnel, là. Non, tu me vois ici assis quelque part, il y a mon argent dedans. Voilà, donc les gars, c'est ça. Les fans, je vous dis un bonjour au passage. Montana, salut. Gondana Prince, salut. Lamine Sissoko, salut. Kone Lamoussa. Salut, bon, on est ensemble. On est ensemble. Partagez ça au maximum pour sensibiliser les gens. Ne faites pas capture de ma vidéo pour m'attacher. Parce que moi-même là, je suis papa de ça. On est ensemble la famille. Hein? Evans, mon frère, on est ensemble. Romaric Yeo, Gigi Manaja, Fatim, Astrid, Sanya. Bon les gars, on est ensemble. Ouais, c'était Raoul Kevi, toujours.